Salut les loulous, et bienvenue dans cette première édition de Télé d'Avant consacrée à YouTube et à Internet. Pierre-Yves, un petit mot ? Ah, un petit mot, effectivement. Alors, Raymond Aron disait « C'est l'homme qui écrit l'histoire ». Mais il ne sait pas quelle histoire il écrit. Et si l'homme des dernières années du siècle est aujourd'hui si présent dans une époque qu'il n'a pourtant pas connue, c'est parce que vous, tous trois, êtes les pionniers d'une histoire moderne, écrite en gigabits et en pixels. Une histoire de mots, M-O-T-S, et de mots, M-A-U-X. Une histoire qui se déroule sur le web. Une histoire qui, pourtant, sur cette étrange toile, se constitue de peu d'originaux et, je trouve, de beaucoup de copies. Ça, c'est de l'intro. Merci, jeune homme. Alors, on est très content de vous recevoir. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter les uns les autres ? On commence par celui qui a le plus d'abonnés. Ah, par exemple, oui. Sur Pornhub. Ah, alors je crois qu'on a un gagnant. Ah, on a un gagnant là. On a un gagnant et on a une petite info, je crois, c'est ça ? Effectivement, c'est bien moi. J'ai plus d'abonnés sur Pornhub. Effectivement, j'ai fait une petite chaîne, une petite vidéo qui a fait 13 000 vues où j'ai trouvé une alternative à YouTube. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Tout simplement sur cette chaîne-là. Ma chaîne YouTube, parce qu'il faut parler de ma chaîne YouTube, c'est de la parodie de l'univers YouTube. Tout simplement. Et je n'ai pas entendu le nom de... Ah, Kama des trucs, je ne me suis pas présenté. Oui, voilà. Je croyais que c'était Pornhub que tu ne connaissais pas. Alors effectivement, Kama, on peut le dire, permets, je te tutoie. Tu es effectivement le youtubeur français, le vidéaste français le plus connu de Pornhub. Enfin, le deuxième, puisque j'ai vu qu'en ranking, tu arrives en deuxième position derrière un certain Dr. Cum, connu pour sa célèbre vidéo « Beurette chaudasse prise par trois lascars ». Alors comment t'en es venu à te mettre sur Pornhub ? Il fallait une alternative à YouTube. YouTube, en ce moment, il y a plein de soucis. Ouais. Du coup, j'ai cherché. Il y avait Dailymotion. Ouais. Il y avait Vimeo. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai pris celui que je connaissais le plus. C'était Pornhub. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pourriez cesser, s'il vous plaît ? C'est horrible ce que vous faites là. Réveille-toi, allô, on n'est plus en 75. Non. Maintenant, la télé, ça s'anime comme ça. Oui, on dirait un canard malade, s'il vous plaît. Hardisson, ça se démode pas. Je ne connais pas ce monsieur, désolé, mais c'est problématique pour mon oreille gauche, en tout cas. Ouais, c'est bon, il y a des... Hein, 2017, Necton. Hein, réveille-toi. Oui, oui. Non, on n'est plus en 85, copain, là, on est en 2017. Hein, la télé à papa, le RTF, c'est fini, laisse béton, copain. Ah, mais certes, hein, laisse béton, oui, c'est ça. Ouais. Comme chantait votre chanteur préféré, le chanteur de Balmusette. Là, parle pas de ça, je t'ai dit. Oui, alors oui, pardon. Il est arrivé une chose, le week-end dernier, mon jeune ami a vu une vidéo de ce chanteur, son nom Renaud, putain, je t'ai dit. Oui, voilà, Renaud. Ouais, lui, c'est un vrai Renaud. Oui, voilà, oui, c'est un vrai, mais en tout cas, il a vu une vidéo de ce Renaud qui parlait d'un problème au Moyen-Orient et apparemment, il l'a très mal vécu. Je ne sais pas. Mais bon, ça va. Ah, comme quoi, tout change, hein. Désolé. Donc, comme Bendit, lui, il n'a pas changé, lui. Lui, ça reste un vrai marxiste. Bon, j'ai pas vérifié, mais à mon avis... Ah oui, oui, non, mais... Il y en a qui ne trahissent jamais, certainement. Je ne connais pas ce Cohn Bendit. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, si vous le dites. Certes. Dany le Rouge. Ouais. Il les préfère plus jeunes. Parlez dans le micro, vous. Il les préfère plus jeunes. D'accord. Qu'est-ce qu'il essaye de dire, là ? Je ne suis pas au courant, mais bon, en tout cas, je vous fais confiance. C'est vous la jeunesse, c'est vous 2017. Voilà. C'est vous le progrès. Voilà, c'est vous le progrès, exactement. Oui, c'est le progrès, c'est l'avenir, c'est YouTube, c'est le web. Maintenant, c'est la gauche au pouvoir, c'est la liberté. La liberté, une certaine liberté, j'aurais tendance à dire. J'aimerais bien voir tout ça. On en est où ? Et donc, le fait de passer sur Pornhub vous a aidé à vous libérer de YouTube ? Ah, mais c'est libéré, oui. Je pense que c'est le terme. Je ne comprends pas la blague. Il a lâché la crème. Super. Je suis désolé, je manque de vocabulaire. Là, je suis paumé, complètement paumé, comme on dit. Alors justement, Chris, comment t'en es venu, toi, à Internet et à YouTube, alors ? Comment t'es rentré dans ce monde-là ? La base, j'ai rentré l'adresse dans Google, youtube.com. Et, non, en fait, moi, c'est assez original, c'est qu'ils m'ont appelé, YouTube.
J'étais sur Dailymotion, je faisais des vidéos depuis 2008, je faisais des parodies de pubs. Et un jour, YouTube m'a appelé, m'a dit, tu devrais mettre tes vidéos sur YouTube. Et je leur ai dit, bah, moi je préfère Dailymotion, bon, je ne suis pas chauvin, mais c'est francophone. C'était voilà. En quelle année ? Je dis bravo. C'était en 2010, je crois. Ouais. C'était en 2010, ouais. Et je leur ai dit, ouais, bon, moi ça ne m'intéresse pas forcément. Ils m'ont dit, tu pourras gagner de l'argent. Je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas forcément non plus, parce que... Bah parce que oui, ça m'intéresse. Vous n'avez pas besoin de gagner votre vie, donc si, vous non, êtes rentier. Je travaillais. À côté. C'était, je faisais ça le week-end entre potes. Ah, ça nous permettait en fait, d'accord, le samedi, de pas passer notre temps à boire et de se dire on va faire une vidéo. Une occupation. Voilà. Saine. Et après la vidéo, on allait boire un coup parce qu'on l'avait mérité. Et voilà. Ouais. Et la notion de mérite est importante. Et en fait, ils m'ont dit aussi, tu auras une plus grande visibilité. Et c'est vrai qu'à l'époque, Dailymotion était très bien fait. Tout du moins la partie France, on va dire. Enfin, la partie, le fait que ce soit que français mettait beaucoup en valeur tous les intervenants, tous les Dailymotioners, ça n'existait pas. Et par contre, YouTube, c'était la vraie merde. C'était la jungle, c'était une page avec plein de vidéos et tout, on comprenait rien. Donc il n'y avait pas d'intérêt. Et là, il commençait à remodeler le truc. Et j'ai dit, ok, je vais essayer. J'ai essayé sans mettre de publicité. Ils m'ont rappelé un peu de temps après, ils m'ont dit ça serait bien que tu mets de la publicité, tu vas voir, ça marche et tout. Et mets tes vidéos en premier sur YouTube. Et j'ai essayé, et c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup plus de vues. Parce qu'à l'époque, mes vidéos devaient faire 5000 vues à peu près. Mais un buzz à l'époque, c'était 100 000 vues. Ouais. Mozinor ou Rémi Gaillard, c'était 100 000 vues, c'était énorme. Un buzz, c'est... Ouais. C'est... Oui, c'est un audimat puissant. D'accord, voilà. Merci. C'était à peu près 100 000 vues. J'apprends. Une victoire. Et voilà. Et avec une tête d'affiche, enfin une home, comme on appelait ça sur Dailymotion, on pouvait faire 75 000, 100 000 vues dans la journée. C'était énorme. Et donc, moi, mes vidéos dépassaient, enfin, ont petit à petit augmenté en termes de vues, 10 000, 20 000 vues, 30 000 vues. Et en janvier 2012, j'ai décidé de mettre de la publicité. J'ai gagné 300 euros le premier mois. Et. Donc 300 euros qui équivalent à combien de francs Alors en francs. 20 000. 20. Mais n'est pas les tiens. Bah moi, j'ai en toutes les années qui sont passées, j'ai fait plein de trucs différents, on va dire. Alors je ne me suis pas présenté, je m'appelle Chris. Et j'ai fait langue de pub, donc c'était des parodies de pub. Après, j'ai fait Minute Papillon. Il y a un jeu de mots. Oui, il y a un jeu de mots. Je l'avais remarqué. Là, je te reconnais, là. Il est bon. J'ai il fait bon, des parodies de pub, des parodies, des Minutes Papillons, qui est donc une émission assez récurrente et qui m'a plus ou moins fait connaître. Mais en fait, je suis tout le temps plutôt dans l'humour, on va dire. Donc, je fais des vidéos humoristiques. Donc, vous êtes un humoriste du web. Voilà. D'accord. Un chansonnier, quelque part. Quoi. Un chansonnier, absolument. Sans chanson. Sans musique. Ça n'est pas grave. Attends, fais un peu, je crois. Notre ami à notre gauche, nous n'en avons pas encore parlé. Je vois votre nom. Okay, vous appelez Teddy Boy RSA. Alors, je peux traduire. Alors, je n'ai pas tout compris. Hein. Teddy Boy, d'accord, c'est le prénom. Oui, le prénom, enfin l'Amérique, quelque part. Hein. Teddy Boy. Et RSA, c'est quoi ? C'est les initiales RSA, de votre vrai nom ? Non, c'est RSA, c'est le revenu minimum. C'est Teddy Boy et Rémi. Voilà. Tu vois le RMI ? Non, je suis tout nouveau dans cette période du temps et je ne connais pas tous les termes. Alors, en gros, le RSA, c'est ce que les bureaucrates ont appelé en fait, le revenu de solidarité active. C'est-à-dire que, genre, par exemple, toi, quand tu donnes ton corps en fait, pour le travail, tu vas payer des impôts et tout pour que moi, je puisse vivre, en fait, que je puisse manger. Donc moi, je me pose dans mon canapé. Toi, tu travailles. Et genre, je mange et tout, tu vois. J'ai du mal à comprendre. En vérité, c'est... Vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur mon travail. Ça n'est pas possible. Si, c'est genre, tu vois, t'affiches... Moi, d'être patron, là, je le comprends tout à fait. Non, alors à fait voilà, normal. Justement, c'est là l'ambiguïté de la chose, en fait, puisque le RSA, c'est la suite du RMI. Le RMI, c'était fait pour les gens inactifs. Ah, ça, c'est Mitterrand, il avait bien bossé la chose. Voilà, c'est ça, le truc, c'est la gauche. Mitterrand, qui a fait ça? Ouais. Alors, à quelle époque Pour garantir à tout le monde un minimum de décence, tu vois. Voilà. C'est arrivé à quel moment, ça? Un moment terrifiant,
où en fait ils ont décidé de permettre à des gens comme moi en fait de s'installer et de se mettre bien. Et de pas se retrouver dans la latch. Et là où c'est très important, c'est qu'il y a eu une mutation, puisque le RMI était fait pour les gens inactifs, or le RSA est fait pour favoriser l'activité, l'action. Tu vois, genre l'entrepreneur, il peut toucher le RSA, parce que dans notre temps, quand tu es entrepreneur, tu gagnes pas d'argent. Tu peux pas te nourrir, tu peux travailler et ne pas avoir d'argent. Donc on donne le RSA. Je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal à comprendre. Bon. Et tu lui as fait un cours ou pas de socialisme? Non, il est sur Pornhub toute la journée. Non, s'il vous plaît, c'est complètement faux. C'est nimpe, comme dirait les gens. Bon, en gros, c'est mon pseudo est une revendication de mon inactivité active. Voilà, je ne suis pas salarié, mais je suis actif. Et je suis rémunéré pour ça. J'essaye de mériter mon salaire. Par l'État. Ben alors, justement, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'autres personnes que j'ai vues en cherchant des youtubeurs qui ont le blaze RSA aussi. Alors, ça vient de toi, du coup, cette histoire? Oui, il s'avère que... Donc, en fait, excusez-moi, mais vous incitez les gens à ne pas travailler. En fait, c'est Teddy Boy chômeur. Non, j'incite pas les gens à ne pas travailler. Ah, chômeur, je comprends, parfaitement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est comme parce si je m'appelais chômeur. RSI, RMA, je ne connais pas. Ça veut dire Teddy Boy chômeur. Il s'avère que... Parce que j'ai à cœur la notion de travail... J'aime le travail, dans la dimension japonaise de la chose. Il y a des gens qui ont estimé que je redorais le blason du terme RSA. Ah bon. Voilà. Et qui peuvent maintenant se revendiquer fièrement d'être au RSA. Notamment les gens qui sortent d'école de commerce et qui n'ont pas de travail ou qui montent une société qui n'ont... Excusez-moi, ne pas trouver de travail quand on sort d'une école de commerce. Excusez-moi. Faut arrêter, copain. Aujourd'hui, t'as le bac, tu trouves du boulot. C'est oui, quand même. Aïe, aïe, aïe. Et on vient de... C'est un autre temps. Non, changé, peut-être ça pas. Oui, ça a un peu changé. C'est un peu changé. Mon cher ami, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et que nous avons encore à apprendre. Moi, je suis parti de chez moi, il y avait encore la gauche. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde, là? Non, on est à la gauche, là. Là, c'est encore la gauche, là. Ah oui, je sais bien, mais... Et on ne trouve pas de travail en sortant d'une école de commerce. C'est une plaisanterie. Tu peux fonder ton propre travail, mais tu n'auras pas de recettes, puisque, en fait, c'est la crise, en fait. En gros, pour faire gros. Les gens ne consomment pas. Le choc pétrolier. C'est une époque complexe, hein, vraiment, vraiment. Oui, ça, c'est... Ouais, là, c'est... Ouais. Alors, non, mais je vous en prie... Bon, bref, donc, résultat, oui, il y a des gens qui se revendiquent RSA parce qu'ils estiment que, quelque part, je montre que le RSA, c'est pas de l'inactivité, c'est juste de la non-rémunération. Ça n'a rien à voir. On peut se servir de sa situation de RSA pour lire et produire de l'intelligence, en gros. D'accord. Et voilà. C'est ce que vous faites? J'essaye le plus possible, en tout cas. D'accord. Et vous traitez quel sujet? Le mysticisme. Le mysticisme. La littérature. Oui. Le soufisme, ce genre de choses. Le soufisme. C'est les Arabes, en fait, tu sais, quand ils méditent et tout. Je suis complètement largué, hein, comme on dit. Toi, tu comprends, toi? Ah, il est assez novice en arabe. Les Arabes qui méditent, tu comprends? Les Arabes qui méditent. Moi, à l'époque, ils manifestent, moi. Donc, c'est différent, en fait. Et bien, justement, ça va être le moment, justement, d'en parler, puisque c'est l'instant, les loulous, du grand débat. Jingle. Alors justement, avant de rentrer dans le cœur du débat, il y a une question qui m'intéresse, c'est comment vous choisissez les sujets de vos vidéos, sur quels critères vous les choisissez? Écoute, franchement, ça va paraître un peu bateau comme réponse, mais je choisis par rapport à la vie de tous les jours, à ce qui passe, peut-être pas à la télé parce que je ne la regarde pas trop, mais ce qui passe dans les discussions avec des potes, ce qui me passe dans la tête en fait, c'est ça. Ah, c'est à partir de là que je travaille. Enfin, tu ne regardes pas la télé? Pas trop, non. Ah, pourtant, il y a. Enfin, bon. Elle est allumée de temps en temps, mais c'est pour les dessins animés. Même les chaînes subversives, parce que moi j'ai bossé à Canal pendant un temps en 84. Et non, c'est. Ouais, c'est les chaînes quoi? Ça a changé, Canal. Bah, ah ouais? Subversif. Faudrait que je. Genre Canal. Vous voyez, tout change. Hein. Quoi? Bon. C'est la révolution, Canal, putain. Ouais, ils ont perdu. Je te montrerai après. L'émission, je te montrerai Canal+. Ah bah tu me montreras, ouais, je serai curieux. Ouais. Donc en fait, vous discutez avec des amis et non, vous... pas forcément, non. Des fois, c'est des papiers que je lis, des papiers, non, c'est plus trop sur papier, mais je tombe sur des documentaires, ou enfin c'est ce que je regarde, c'est ce que je vis dans la vie de tous les jours, tout simplement. Vous inspirez de puis votre des fois, vie. C'est mes enfants qui m'inspirent à un thème, à un sujet, puis des fois, c'est des réflexions qui n'ont rien à voir avec... mais c'est toujours quelque chose qui vient en amont,
ici avant que je me dise ah bah tiens je pourrais retranscrire. Mais de toute façon c'est pareil pour tout le monde. Mais disons que je vais pas chercher. Ouais, je passe par la case cerveau à peu près tout le temps. Mais je vais pas chercher, je vais pas me dire sur quoi je vais faire. J'ai déjà en amont plein de moments où tu sais, bah, le cerveau il tourne en continu, et puis bah, c'est même un souci pour dormir des fois. D'accord. Mais donc vous choisissez vos sujets librement, sans aucune censure ou auto-censure ? Et bah, honnêtement, moi je me censure pas. J'essaye de pas tout le temps taper. Encore c'est paradoxal, mais j'essaye de pas tout le temps taper sur les mêmes personnes, on va dire. Sauf que généralement, quand ils aiment pas qu'on tape dessus, moi j'aime bien continuer. D'accord. Donc pas de censure, pas d'auto-censure. Eh oh, Becton, on est en 2017, c'est la gauche, c'est la liberté d'expression, je te rappelle. La censure, ah oui. Ça n'existe plus. Hein. Et bien évidemment, oui, j'avais oublié que la droite, c'était le goulag. CRSSS. Bien sûr. Oh. Lamentable, absolument lamentable. Monsieur RSA, vous êtes d'accord avec cette idée ? Prince RSA. J'ai dit une bêtise. Censure, auto-censure ? Non, tu as raison, monsieur RSA, on peut m'appeler comme ça, avec respect. Excusez-moi d'être poli. Et tu as raison. Enfin, vous avez raison, monsieur. Ça ne me pose aucun problème. Et comment est-ce que je dois t'appeler, résultat ? Pardon ? Comment est-ce que je peux t'appeler ? Monsieur, oui, monsieur, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit une insulte. Sans fioriture. Ouais. Comment est-ce que je choisis mes sujets ? Oui. En fait, j'ai deux méthodes. Tu sais, peut-être sur YouTube, tu as remarqué qu'en fait, il y a un système qui s'appelle le référencement. Et le référencement se fait tout par rapport au titre. Voilà. En fait, en gros, le meilleur référencement qu'on puisse avoir, ce n'est pas les hashtags qui sont en dessous, les mots-clés. Les tags. Les mots-clés. Je ne sais pas ce qu'en pense. Tu comprends, t'es jeune. Là, j'ai du vocabulaire qui est au-delà de ma compréhension. Ouais, les tags, j'en ai fait pas mal. C'est pas les mêmes. Bon, tout ça avec au squat et tout. C'est quoi, je vais gérer avec le public, laisse tomber. Parce que c'est chaud au niveau de ta tête. Ça me fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que moi qui suis largué. Largué. Lol. Je me gausse. Bon, bref, le fait est que, en fait, pour que nos vidéos soient vues, il y a un système qui s'appelle le référencement. Et si on met un bon titre putaclic, c'est-à-dire en fait quoi un titre putassier. T'aurais peut-être pas dû dire putaclic. Un titre qui fait référence à une actualité, oui. Un truc qui est à la mode en ce moment, oui. On est mieux référencé. Alors moi, j'oscille entre les titres bien référencés et les titres où je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en bats les couilles. Sur 5 vidéos, je fais un titre putaclic où je vais regarder en fait l'actualité et je traite de l'actualité putassier, de manière. Je suis désolé, mais on dit putassier. Non mais clique, genre tu cliques. Et sérieusement, il faut refaire tout le vocabulaire. Putaclic. Putaclic. Je vous promets que pour la prochaine, nous serons plus avancés. En gros, ce qui compte, c'est la couverture du Figaro. Pas voilà, forcément en gros, c'est ça. Dedans. Et tu choisis d'abord la couverture avant de mettre ce que tu vas mettre derrière la première page. D'accord. Exact. Donc le métier a beaucoup évolué. Donc, enfin, si on peut parler l'important, de c'était pareil. Dans ma méthodologie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, désolé. L'important dans ma méthodologie. C'est écrit dans le Figaro. J'ai beau venir de 1975. C'est un vrai mec de droite à l'ancienne. Oui, et tout. Il se fout complètement de ce mais peut-être que vous n'étiez pas en première page. Voilà, c'est tout. Je l'accepte, c'est tout à fait vrai, je n'étais pas en première page, pardon monsieur. Moi je dis bien joué. Quoi, le public est avec moi, ouais. C'est chaud. Mais Est-ce qu'on pourrait enchaîner, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on pourrait enchaîner, Daniel ? La question, attends, parce que... Personne. Censure, pas censure ? Non, je me censure pas, enfin, c'est par rapport à... Comme toi, l'actualité de YouTube... Comme je la connais un petit peu, un minimum, j'essaye de la parodier. Non, les limites que je me mets, c'est celles de la loi, tout simplement. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais. Moi, je respecte ce jeune homme qui... Je crois qu'on se met des limites, mais moi, j'ai l'impression de pas me mettre de limites, mais peut-être qu'à la base, c'est parce que je suis pas un connard, tu vois. Enfin, je veux dire, si j'étais un connard, il faudrait que je me mette des limites pour être dans la loi, tu vois. On n'est pas des connards, et donc je pense que sur Internet, si t'es pas un connard, tu peux tout dire. Presque. Mais après, le problème, c'est que t'es pas au courant quand t'es un connard. Oui, on est toujours le con d'un autre. Oui, voilà. Attends, parce que du coup, alors c'est génial, parce que pas de censure, pas de censure, pas de censure. Donc sur Internet, pas de censure, quoi. C'est la liberté d'expression. Non, mais après, tu te fais. En fait, l'intérêt, moi, je pense que sur Internet, il y a plus d'auto-censure que de censure. Ah. Et des gens qui coupent la parole. Mais pourquoi c'est bâtard. Pourquoi cette auto-censure ?
Est-ce qu'on peut se faire retirer les vidéos, non, c'est pas ça. Ah, il y a quand même un censeur, il y a quand même les vidéos retirées, c'est plutôt sur des droits. Des droits d'auteur. Des droits d'auteur, tout ça. La loi règne. On peut fumer ici ou pas? Pourquoi on pourrait pas? D'ailleurs, on a le droit de fumer. Hein. J'avais bien envie de me faire une petite pipe depuis tout à l'heure. Ouais. Ce sera sans moi. C'est quoi? C'est une cigarette électronique, gros. De la cigarette électronique. C'est une pipe moderne? C'est la e-cigarette. Tu veux goûter ou... T'en veux? C'est tu appuies sur le bouton et tout. Tu connais, toi? Nous, on devait avoir les voitures volantes, normalement. Appuie sur le bouton, parce que sinon, il va rien se passer. Ah, voilà, ça, c'est bon, hein. Absinthe. Absinthe. Pardon? Vapeur d'absinthe. C'est formidable ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour attendre le biberon du soir. J'ai l'air d'un vrai ringard avec ma pipe, moi. Non, mais en plus, t'as plus le droit de fumer à l'intérieur, là. Pardon? C'est pour ça qu'on a ça. Mais même ça, j'ai même pas le droit. Si. Écoutez, malheureusement, là, écoute, ou heureusement, je sais pas. Range ta pipe, gros. En fait, tant pis, je garderai ma pipe. Malheureusement, pour l'ouverture d'esprit, parce que j'imagine que c'est tout le monde, pareil pour tout le monde, depuis qu'on a plus le droit de fumer dans les bars, on trouve ça désagréable quand quelqu'un fume. Dans un endroit enfumé. Enfin, moi, j'avais aucune difficulté à me taper à un aquarium passif. Mmh. Maintenant, quand je rentre et que mon écharpe de bobo sans le, sans le tabac, je trouve ça gênant. Mais je pense que ça a dû détruire le commerce, les restaurants. Non, ça va, ils ont augmenté le prix des cigarettes, donc c'est bon. Ouais. Ils rééquilibrent. Et après, ils ont mis des photos de bébés morts sur les paquets de cigarettes. Non. Arrêtez de vous moquer de nous. Et après, ils les ont mis en noir. Imaginez, ils ont mis des... Notre ami nous dit qu'il y a des bébés morts sur les... Ils ont mis des bébés morts sur les paquets de cigarettes, ce qui a permis d'augmenter le prix. Et après, ils les ont mis tout en noir, tous avec la même tête. Comme ça, ils ont pu augmenter le prix. Je pense que vous avez beaucoup d'imagination, mon ami. Mort que vivant. Beaucoup d'imagination. Ils ont mis des bébés noirs sur les paquets de cigarettes? Non, morts. Des bébés noirs morts? Oui, avec écrit « Touche pas à mon pote ». Des morts. Avec le logo « Touche pas à mon pote ». Ouais. Enfin, nous vérifions tout ça un peu plus tard, quand l'émission sera terminée. Bah alors du coup, tout roule sur Internet, si tu mets pas d'extraits qui t'appartiennent pas, en fait. Ouais, et de musique aussi. Ouais. D'extraits et de musique. Donc, ah ouais. Donc ça limite peut-être un peu, surtout certains créateurs qui reprennent ce qui existe déjà. Mais sinon... Sinon, quand tu t'exprimes et que tu fais toi-même tes images, normalement, t'es pas forcément obligé de te limiter. Si vous avez l'air vachement critique sur les médias d'aujourd'hui, visiblement, on se fout de ma gueule à cause de Canal+. Mais du coup, télé, Internet. Internet, c'est vraiment... Télé, Internet. J'ai vu des vidéos sur Internet pour préparer. J'ai vu une vidéo d'un gros monsieur africain qui vend des assurances et des fruits exotiques. Et le mec disait, ouais, c'est la révolution, c'est l'avenir, on peut faire ce qu'on veut. Mais moi, je crois que c'est exactement pareil, pour parler dans ton langage, que Canal+, par rapport au reste de la télé. C'est juste nouveau par rapport à ce qui est ancien, donc ça paraît bien. Sauf qu'au bout de quelques années, c'est pareil. Ouais, qu'est-ce qui a changé alors? En fait, il faudrait que tu allumes Canal+, aujourd'hui. Et que t'essayes de trouver, t'allumes la télé, t'essayes de trouver laquelle chaîne c'est Canal+. Oui, non, mais sauf que nous d'abord. Non, sur YouTube, qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà, c'est pareil, c'est juste qu'on est en train d'arriver au même point. Ouais. À quelques divergences près quand même. C'est-à-dire que, j'allais dire au début, c'est pas que Paris, contrairement à la télé, mais c'est faux parce que ça devient pratiquement, enfin, c'est plus Paris que le reste aussi, Internet, alors qu'on a Internet à la campagne, je t'assure. Mais vous n'avez pas la fibre aussi. Vous l'avez dans le cul un peu. Moi, j'habite dans un village de 1000 habitants et j'ai pas la fibre, mais bon, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'être chez Numéricable. Si vous pouvez me payer 2 mois, s'il vous plaît. En tout cas, je suis d'accord avec Chris. Actuellement, Internet, on pourrait le voir comme les débuts de... Ah non, pas les débuts de la télévision, mais l'époque Canal+ de la télévision. On a fini de faire des formats Internet. On a eu avec YouTube, en fait. On a eu les formats YouTube avec Cyprien, etc. Un monopole de ça. Il y avait la dictature presque de l'humour et du podcast. Et maintenant, on rentre dans le domaine où on va pouvoir commencer à devenir les Canal+. Chacune de nos chaînes va pouvoir faire ce qu'elle veut. Et ensuite, il y aura... là, ici, actuellement, on est dans le formatage. On est dans le néo-formatage. On est dans tenter des formats jusqu'à ce qu'ils deviennent officiels.
Et c'est ça l'avenir de YouTube. Et à ce moment-là, celles qui seront subventionnées, celles qui auront le plus de monnaie, le plus de producteurs derrière, parce qu'il faut savoir que les producteurs de cinéma et de télévision sont en dèche. Il n'y a plus tant de ça de rentabilité. Donc, ils sont en train de chiner partout pour aller choper des YouTubeurs et les financer. C'est la plupart, surtout les rats, les producteurs rats, sont en train de chiner chez les YouTubeurs. Et on va avoir deux phénomènes, la politisation de YouTube et le formatage télévisuel de YouTube, il me semble. Ça, c'est l'avenir. Donc, mais la politique sur YouTube, alors du coup, ouais, c'est présent. Ça rentre, ça arrive, ça arrive, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Ah, beaucoup de chaînes, moi, j'ai zappé un peu, excusez du terme. Hein, moi, la mise en avant qui est neuve, peut-être aussi. Parce qu'il y en avait déjà un petit peu. Et puis, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, il y a toujours eu de tout. C'était bien un clash politique que tu avais eu avec Usul. Semi-politique. Oui. Non, c'est les créateurs, enfin les politiques, carrément, qui viennent sur YouTube. Il y avait quelques politiques à l'époque. De votre temps, non, dans votre temps, il n'y avait pas YouTube. Non, au tout début. Mais il y avait des politiques, par contre. Il y avait des politiques. Non, non, c'est juste que les nouveaux médias, YouTube est un nouveau média. Un nouveau média, depuis quand est-ce que ça arrêtera d'être un nouveau média? Ça fait 15 piges. Enfin, c'est combien de temps que ça existe, YouTube? Oui. Moi, je ne crois pas que c'est un nouveau média, ouais. Un nouveau média, pour les politiques. Je crois que c'est 10-15 ans, mais ce n'est pas le problème de nouveaux médias. C'est récent que c'est pris en main par des créateurs. Voilà, exactement. En 2010, on l'a bien dit. C'est en 2010 qu'on t'a contacté. Ça fait depuis 2010 que YouTube a décidé de choper des créateurs et de faire des créateurs son cheval de bataille. C'est ça. En France, la première chaîne, les premiers qui ont été mis en avant par YouTube, c'était 10 minutes à perdre. C'était en 2010. Et en 2011, ou à une année avant peut-être. Et après, c'était Norman et Cyprien. Avant, c'était le Mongol Gang. Voilà, qui ont été invités chez eux pour dire oh, on va faire comme ça et mettre une stratégie de communication qui était identique. Après, je ne pense pas que les gens le savent, mais en gros, il y a eu une stratégie de communication qui était identique à celle des États-Unis et d'autres pays. Et voilà. Et après, ils se sont dit on va rapatrier les autres Français créateurs et tout. Donc, c'est pour ça, dans ce cadre-là, qu'ils m'ont appelé. Ouais. Mais voilà, il y a une vraie stratégie, tout simplement, de copier ce qu'ils avaient fait dans d'autres pays et qu'ils font encore dans d'autres pays maintenant. Attends, copier, enfin, je sais pas comment on s'en sort, mais on doit être les premiers sur Internet. On a inventé le Minitel, non? Enfin, je veux dire. En tout cas, nos invités m'ont l'air d'avoir chacun une. Enfin, d'après ce que j'en vois, une conscience politique. Non? Ah, ils ont l'air assez. Qu'est-ce que c'est une conscience? Selon toi. Une conscience, quand je dis conscience politique, c'est plutôt d'être plutôt attiré vers un parti ou une idée politique ou un projet de société. Une vision de société, je crois que ça concerne beaucoup plus de monde peut-être qu'à l'époque. Mmh. Par contre, être attiré par un parti, peut-être au contraire, les gens se désolidarisent. Ah non, c'est ce qu'on essaye de dire quand on fait un aquarium dans une bagnole. Mais... T'avais tenté un truc politique un peu et t'as un peu baissé les bras. On t'a senti un peu déprimé quand même. Hein. Ah non, j'ai l'air déprimé dans la vidéo, mais je ne l'étais pas. En fait, c'était... Qu'est-ce que t'as essayé de faire en fait? J'avais essayé de parler de politique sans écrire avant. Comme on en parle, tu vois, quand tu parles, tu rencontres un pote et tout, et tu ne l'as pas vu depuis longtemps, puis ça vient à la politique et tu commences à en parler comme ça. Et moi, ça me semblait intéressant de mettre en avant le fait que la politique, c'est pour tout le monde. Et que tu as le droit de dire des conneries, tu as le droit de te contredire même et tout. Et le problème, c'est qu'il manquait le dialogue. Parce que quand tu vas dire une connerie à ton pote et qu'il écoute, normalement, il va dire « Ah, mais c'est pas ça ». Et tu vas faire « Ouais, c'est vrai, mais peut-être que… » Et tu avances. Et là, en fait, je l'avais fait un peu tout seul en me disant « Je vais évoluer avec les commentaires, tout ça ». Et c'était pas possible. Et surtout que quand tu prépares pas ce que t'écris, eh ben tu dis des conneries tout le temps, tu te trompes de mots, enfin c'est pas tout à fait ce que tu voulais dire, tout ça. Et une idée qui te paraît claire dans ta tête, l'est pas forcément. Du coup, t'as lâché. En fait, je me suis dit que ça servait à rien. Je me suis dit qu'il fallait un autre format, tout simplement. Tu voulais pas dire, je le fais, mais je les bosse un peu plus et je joue plus le côté spontané, mais je garde le côté politique. Ouais, mais en fait, je voulais et surtout le côté être à plusieurs. Un peu comme j'ai vu récemment que tu fais et tout, mais moi c'est impossible que je prenne une heure à telle heure pour faire un Skype et tout. Vite fait, Kama, t'as pas de placement politique toi? Parce que c'est ce qui m'intrigue énormément.
Hein oui, non, non, vas-y, non, vas-y. Non, mais c'est ce qui m'intrigue énormément parce que Kama, il fait des trucs qui sont très proches des podcasts humoristiques presque. Et je me suis toujours demandé, est-ce que les gens qui produisent des podcasts ont un placement politique à l'arrière-fond de leur cerveau ou pas? Je t'avouerai qu'en ce moment, j'y pense pas forcément. Je suis plus dans l'analyse de la communication politique actuellement. Donc, je regarde vraiment ce qui se passe de ce côté-là. Comment une idée peut être transmise sur les réseaux. Donc, on parlait de YouTube, mais il y a aussi Twitter. Twitter, vous ne connaissez pas ? Vous avez tous à analyser les placements politiques des autres, là, les zététiciens et les YouTubeurs en général. Vous analysez toujours les autres et sans jamais oser balancer votre opinion. Parce que je pense qu'elle n'est pas totalement faite à l'heure actuelle, de mon côté. Donc, je préfère ne la garder pour moi. T'as vu, c'est générationnel. Tu sais que j'ai vraiment l'impression que c'est générationnel. Ça s'appelle regarde, l'humilité toi, places, aussi. Toi, tu te places. C'est à votre époque, ça, c'est, on se plaçait direct. Genre, oui. C'est, à quel âge on se plaçait politiquement? Politiquement, bon, comme un peu professionnellement. Hein, tout le monde très... a 13 ans, quoi. Oui, non, non. Non, non, franchement, c'était sur la 18, 20 ans. Tu te rends compte du truc? Là, il y a des mecs de 30 ans sur YouTube, ils sont toujours pas placés politiquement. Ouais, ouais, j'ai pas 30 ans. Eh ben oui, voilà, autocensure, on en revient peut-être là. Non, non, moi je crois pas que c'est ça, parce que je crois justement qu'il y a l'illusion du choix politique qui a été démasqué à notre époque. C'est-à-dire que concernant la démocratie, comment ça l'illusion là. Du choix politique? Eh ben qu'on nous a balancé que c'était le choix entre la droite et la gauche, par exemple, ou oui. Que c'était un choix entre. Eh ben bon, pour moi, c'est pas ça. C'est ce que je disais à je sais plus qui dans le public tout à l'heure, c'est qu'on te propose de on t'arrive dans une pièce, on te dit soit tu prends celle de la porte de gauche, soit tu prends la porte de droite. Et qui te propose ça? C'est ce qu'on nous. Bah c'est je sais pas comment c'est la télé. Le collectif. La c'est, télé. Non mais même tout le monde qui tu parles et tout, on te dit il y a la porte de gauche, il y a la porte de droite. C'est un alors maintenant, il y a des gens qui se disent eh ben, on peut s'asseoir par terre et pas choisir de porte. Oui, ouais. C'est ça. Voilà. Mais il y a encore personne qui se dit bah, moi, je vais peut-être faire demi-tour parce que la porte, elle est toujours ouverte. Ah, moi, je fais demi-tour à fond, moi. Voilà. Bah, ouais. Je sais pas, mais quand je regarde. Ça. Donc, ça veut dire que. Ça veut excusez-moi, dire, bah, j'ai du mal à comprendre faire demi-tour. Et aller où? Si vous n'êtes ni de gauche, ni de droite. On te, ni... propose un choix pour te faire croire que t'en as un, c'est tout, en fait. Il n'ose pas dire, mais il est en marche, non, lui, en fait. C'est du pied dans la porte, c'est les systèmes de PNL, en fait. Programmation neurolinguistique. D'accord. Auto-hypnose. Oui, non, je suis désolé. Les médias. Oui, non, mais c'est vrai que là, par merci contre, de nous vendre votre marchandise. Je me suis intéressé un peu aux hommes politiques d'aujourd'hui, mais là, pour le coup, cette analyse du la gauche, la droite, ça n'existe plus, mais tout le monde la reprend. Macron, c'est le. Alors lui, c'est progrès mais contre alors, conservateur. Pourquoi il l'a. Oui, bah alors, de toute façon, c'est droite conservateur et progressiste à gauche. C'est une autre manière de dire gauche et droite. D'ailleurs, c'est un foutage de gueule, parce qu'historiquement, c'était pas les progressistes contre les conservateurs, c'était les libéraux, sauf qu'ils n'osent pas dire le mot, le mec. Mon cher Daniel, vous m'avez l'air très renseigné. Ça fait juste 2 mois que vous êtes dans ce monde-là, vous en savez. Et pourquoi je passe pas mon temps sur Pornhub. C'est l'effet. Oh, s'il vous plaît. Ça fait aussi 2 mois que vous êtes là comme moi, hein, s'il vous plaît. Et pourquoi ils disent progressiste et contre conservateur, c'est parce que gauche et droite, ça commence à plus marcher. Et c'est pour ça qu'ils commencent à se désolidariser, marcher, vraiment, voilà, de la gauche et de la droite. Ouais. Mais ils se désolidarisent, j'y arrive pas ce mot-là. Pourquoi je l'utilise? De ça, justement, parce que sur Internet, surtout, et puis même ailleurs, on commence justement à ne plus vouloir s'identifier d'un côté et de l'autre, parce qu'on a l'impression que, bah, avec l'hémicycle, il manque la moitié, quoi. Tu penses qu'Internet a joué un rôle dans l'évolution des conceptions politiques? C'est-à-dire que tu as l'air de dire que visiblement sur YouTube, on peut parler un peu de tout, qu'il y a de plus en plus de gens qui se positionnent politiquement un peu en dehors des critères traditionnels. Est-ce que tu penses que les politiques ils sont adaptés à votre monde ou tu penses que ça n'a pas joué en fait? Moi, je pense que comme YouTube, c'est un média comme les autres où il y a l'argent, ça va devenir exactement la même chose que la télé et qu'il va avoir le même placement de gauche-droite et ça va peut-être changer. Hein, si ça se trouve, plus tard, ce sera progressiste contre conservateur. Mais sur Internet, en général, on apprend à voir et à connaître d'autres opinions et à avoir un ensemble plus grand que celui que tu peux avoir à la télé ou dans ta famille. Parce que si tu as une famille qui regarde la télé, finalement, tu n'as qu'une vision de la chose. Et c'est super dur de se faire plusieurs opinions, prendre plusieurs points de vue sur une chose. C'est super dur à se dire que ça existe avant de commencer à le faire.
Donc après, c'est bien beau, ça fait un peu pédant de dire ouais, bah, je prends plusieurs. Enfin, tu vois, j'essaye d'analyser toutes les opinions et tout. Mais c'est un peu une réalité, en fait. Tu peux pas. Enfin, de toute façon, si tu es tout le temps dans la même pièce, tu vois tout le temps les mêmes choses. Et justement, j'avais vu pas mal de. Alors là, pour le coup, j'ai regardé un peu la télévision et on a l'air justement de nous dire qu'il y a des points de vue sur Internet qui seraient carrément dangereux, quoi. Je crois qu'on appelle ça la théorie du complot. Oui. Alors je me suis renseigné un peu. C'est un truc qui est fait pour embrouiller les gens. Donc j'ai regardé des gens qui expliquaient ce que c'était que la théorie du complot. J'étais plus embrouillé encore. Donc du coup, je Teddy Boy, est-ce que vous avez un avis sur ces complots? La théorie du complot sur Internet, c'est comme le tabac. J'en consomme, mais j'en fais pas la promotion. C'est original. Je pense que c'est la renaissance des mythes. Personnellement, c'est ce que j'avais expliqué dans ma chaîne YouTube. C'est là où la théorie du complot, ça a marché parce qu'il y avait d'abord une perte de la religiosité et ensuite de la mysticité. On ne savait plus ce qu'était un dieu romain, en fait. On ne savait plus ce qu'était en nous l'identification à un mythe. Qu'est-ce qu'un dragon ? Qu'est-ce qu'un dragon ? Oui. Et la théorie du complot, c'est la renaissance de la capacité à rêver le réel. Oui, il y a des gens qui sont des lézards qui maîtrisent le monde. Oui, des loges maçonniques dirigent le monde et ont la capacité de rentrer dans nos cerveaux, de nous faire, nous, soldats. Oui, les mythes peuvent entrer en nous et nous utiliser. Mon cher Hakim, j'ai l'impression que votre jaja est monté à la tête de notre ami. C'est ça. C'est du bon, en tout cas. La théorie du complot, si elle a fonctionné, c'est parce qu'elle répondait à un besoin de comprendre nos ancêtres. Comment ça se fait qu'ils foutaient des putaines de statues, hein, les Grecs et les Romains, pour assister au spectacle? Comment ça se fait qu'ils pensaient que les statues étaient vivantes? Quand on croit aux extraterrestres, en gros, on comprend comment les Romains ont pu croire que leurs statues étaient vivantes. Et ça répondait à ce besoin-là, je pense, pour les théories du complot. Tu n'avais pas l'air... Si hein? Si, t'as pas d'accord mais... Si. C'est qu'un point de vue. Mais elle vient d'où, cette théorie? Déjà, c'est là ou les théories? Parce on entend les théories. D'où vient cette théorie? Qui l'a écrite? Il y en a plusieurs. Là, je laisse les... Les complotistes. Je vois pas qui fréquente YouTube et YouTubeur sans avoir bouffé de la théorie du complot. Je peux même pas imaginer ça. Ah oui, dans être les commentaires. YouTubeur sans avoir bouffé tout ce qui est théorie du complot, je comprends même pas comment ça peut exister. Ah bon. Il y a toujours des gens pour comme tu dis là, essayer de comprendre, essayer d'imaginer, rêver une réalité pour tous les sujets. Donc. Alors après, je comprends pas parce qu'on nous dit à l'été que c'est dangereux. En quoi c'est dangereux des gens qui rêvent? Parce qu'après, ils veulent sortir dans la rue avec des bâtons pour taper des francs-maçons. Ah, oui, effectivement, ça risque de faire du grabuge. J'ai raison ou pas? Dans les réseaux fachos, c'est ça? J'en sais rien, moi je suis réveillé à 2 mois. Moi. Oh, okay. Tu vas apprendre sur la vie, tu vas avoir. Mais oh non, mais en quoi c'est dangereux? Enfin, il y a vraiment des gens qui sortent avec des bâtons non, pour. En fait, c'est pas dangereux. Moi, je pense pas que ce soit dangereux que les gens aient peur et se posent des questions. Parce que c'est ça, finalement, c'est se poser des questions. Se poser des questions, surtout. Le vrai problème, c'est que, justement, il n'y a pas des théories du complot, il y a une théorie du complot. C'est que toutes les théories du complot se recoupent ou sont mises dans le même panier. Et qu'en fait, à partir du moment où tu parles de quelque chose, si quelqu'un n'a pas envie d'en parler, il peut y mettre là-dedans. Et c'est qu'en fait, si on reste dans le monde de l'imagination, c'est que tu sais plus où est la différence entre, où est la limite entre imagination et réel. C'est ça le vrai souci de la théorie du complot. Ouais. C'est que à partir du moment où ça peut gêner quelqu'un, quelque chose peut gêner quelqu'un, on y balance dans la théorie du complot. Complotiste, c'est un petit peu, c'est comme fasciste ou c'est comme gauchiste. Et quand t'as pas envie de parler à quelqu'un et que tu te dis, bah si je le mets dans cette case-là, de toute façon, ce qu'il dit, ça a plus vraiment d'importance. Bon. Oui. Question. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses pas que la zététique, le terme, la renaissance du terme zététique, n'est pas le résultat de Wikipédia et de l'esprit bigot de Wikipédia et de l'esprit de pinaillage wikipédien?
Peut-être. Non, honnêtement. Merci, on va passer. Non. Pardon, excusez-moi, vous n'avez pas terminé. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en prie. Honnêtement, moi, j'ai un peu de mal avec la zététique, dans le sens où les zététiciens, c'est un peu comme les philosophes, ils sont autoproclamés. Et je trouve généralement, quoi que tu fasses, tu ne t'autoproclames pas philosophe, comme le fait BHL, ou zététicien, comme ils le font tous. Et il y a peut-être ce pinaillage, dans le sens où j'ai du mal parce que tu ne m'écoutes pas. Si, je t'écoute, bien sûr que j'entends très bien. Ouais, donc j'ai du mal parce que, en fait, tu ne m'écoutes pas. Le mec, la boucle. Non, je ne sais plus où j'en étais à cause de toi. Les mecs, ils s'autoproclament. Voilà, les zététiciens s'autoproclament, comme les philosophes, comme certains philosophes s'autoproclament zététiciens, alors que les philosophes, normalement, tu es plutôt philosophe quand tu es mort, on va dire. En tout cas, c'était comme ça avant. Tu pouvais passer ta vie à réfléchir, mais tu osais pas dire que tu étais philosophe. Enfin, de mon ça, point de vue. C'est dû au mot-clé, c'est dû au référencement. Les gens, c'est presque comme s'il y avait un philosophe officiel, il faudrait qu'ils mettent sur YouTube philosophe, oui. Un hashtag. Oui, voilà, ouais. Mais quand tu es zététicien, en fait, tu te dis zététicien à partir du moment où tu t'intéresses à la zététique. Et en plus, moi je trouve que c'est un petit peu mal défini la zététique, parce que déjà, à chaque fois qu'ils partent sur des critiques, moi je voulais pendant un moment faire des critiques de zététiciens. T'sais. Juste pour montrer que si tu changes le paradigme. Moi je suis chaud, moi. Ouais. Si tu changes le paradigme, en fait, tu peux casser n'importe quoi. En fait, tout dépend du paradigme. Si par exemple, quelqu'un fait une vidéo, un zététicien la démonte, moi je dis d'accord, ouais, mais comme les extraterrestres existent, et ben tout ce que tu as dit c'est faux. Voilà. Ou comme. Vous pensez réellement que les extraterrestres existent ? Non, ou alors si tu veux, si Dieu au-dessus de nous a créé et qu'on est sur une terre plate. C'est original. Si on est sur une terre plate et tout ce que tu as dit, c'est faux. Et par rapport à mon paradigme, je peux y démonter. Bah, le problème de la zététique, c'est qu'il n'y a qu'une vérité un peu dans la zététique. Oui, et ben c'est moi qui. Alors, c'est laquelle, y a plusieurs vérités. Alors, Dieu n'existe pas. Et toi, tu as des cheveux longs. Les extraterrestres n'existent pas. Ça, c'est un fait. C'est quoi les postulats de base, quoi, du merdier. Mais en plus, le truc, c'est que ça dépend un peu des zététiciens. Même s'ils sont plus ou moins tous d'accord sur. Oui, mais il y a des divergences, comme dans les courants. Donc il n'y a pas beaucoup de cathos pratiquants, quoi. Dans les titres. C'est pratique, la zététique. En tout cas, ils sont assis au fond. Ouais, voilà. Comme ça. Mais Kama, qu'est-ce que tu penses de la zététique, toi, qui as 24 ans? Franchement, je rêve d'entendre le point de vue d'un mec de 24 ans sur la zététique, parce que c'est. Vas-y, je suis sûr que tu es lobotomisé par la zététique. Je vous écoute, j'essaye d'analyser un petit peu vos. Parce que je vois que vous n'êtes pas trop d'accord. En tout cas, sur les points de vue, sur ceux qui sont croyants ou ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'ils ont la même vision des choses ? Vous êtes croyants, les gars, d'ailleurs ? Petite question, comme ça ? Ça va, on tient la boutique. Je n'ai pas compris. On tient la boutique. Ils prétendent tous à l'abandon des points de vue. Du coup, vu que tu te fais ton opinion toi-même, il n'y a pas de zététicien s'il n'y a pas de complotiste. Non, mais c'est vrai, ils dépendent complètement du travail des autres. Je veux dire, en permanence, en train de déstructurer le travail des autres. À aucun moment, ils sont pas censés donner leur point de vue. Donc, ils n'existent pas. Je veux dire, va dans un moine bouddhiste. Pardon, on recommence. Chacun fait ce qui lui plaît. On la garde. Les bâtards. On la garde. Dans un temple bouddhiste. Tu sors. Ça me fait marrer, le bâtard. Attends. Du coup, tu disais quoi? Je dis, enculé. Abandonne le monde social. Et arrête de critiquer le monde social et va dans un temple bouddhiste. Qu'est-ce que c'est que cette idée de la zététique où en fait on dépend du point de vue des autres? C'est du vampirisme. Ah, je suis entièrement d'accord. Ouais. C'est incroyable. Eh ben tu vois, on arrive à être d'accord. Ouais. À peu près. Et vous, les jeunes, vous vous faites niquer par ça. Hein. C'est incroyable. Niquer. On aurait pu dire qu'ils se font avoir. Point de vue individuel ou retirez-vous. Non mais concrètement, moi j'ai pas besoin. En tout cas, pour ma part, pas besoin des zététiques ou quoi que ce soit pour me faire un avis. Je regarde et j'espère avoir l'esprit critique pour sélectionner si un avis me sert ou pas, ou ça sert à quelque chose. Je remarque que beaucoup de gens ont peur de l'émotion des autres. C'est exactement ça. C'est que là où il y a peut-être une différence à faire, c'est avoir un esprit critique, c'est très important et intéressant. Faire de la zététique... C'est pas pareil. Faire de la zététique, c'est pousser ton esprit critique au point où tu crois plus rien, tu dois tout démentir, et au point que tu ne poses pas ton monde et donc ton paradigme. Et donc, après ça,
Eh ben, en fait, c'est même pas forcément ton opinion, parce que c'est censé être une opinion universelle. Je suis sûr que s'ils font ça, c'est pour le référencement. Parce qu'en vrai, quand tu donnes pas ton point de vue, t'as pas de choses clivantes. Donc théoriquement, tu peux avoir 1 million, 6 millions de personnes qui te suivent et qui s'abonnent à ta chaîne. En vrai, la zététique, c'est un prétexte à parler à tous. Donc, faire du chiffre. Moi, j'en suis persuadé de ça. Parce que quand tu donnes ton point de vue, tu rentres dans le clivant et... Ils prétendent avoir peur des émotions, mais en vrai, c'est une technique de référencement. J'en suis persuadé. Merci. Quel bel homme. Ouais. Mais je me posais la question dans le train. Je me disais, si le monde entier avait à choisir aujourd'hui entre le Dieu et le diable, admettons qu'on soit tous religieux, il y aurait beaucoup de monde qui choisirait quand même le diable. Donc il y aura toujours une opposition avec une conscience d'une vérité différente, en fait. Donc la zététique part du point de vue que tu peux arriver à prouver à tout le monde que c'est la vérité. Et en fait, c'est enlever les points de vue, enlever le fait que tu peux avoir vécu quelque chose qui a pu t'influencer, que tu peux être différent ici, tu sais. Et tout simplement, admettons, c'est exactement ce que je disais, par exemple, pour la folie. C'est est-ce que t'es fou si le monde dans lequel tu vis est fou lui-même? Est-ce que c'est pas toi qui n'es pas fou, qui est saint d'esprit? Tout à fait. Alors les loulous, maintenant c'est l'instant question du public, l'instant de la vérité vraie. Jingle. Alors, vous allez pouvoir poser vos questions à nos trois invités. Questions sans langue de bois, sans censure. Alors, bien sûr, le principe est simple. Vous avez droit à trois jokers s'il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Sauf que ces trois jokers sont communs. C'est-à-dire que si on a un d'entre vous qui utilise le joker, il nique les deux autres. C'est le principe. Faites pas des gestes inconsidérés. Donc, vous avez le droit de prendre un joker, mais c'est un joker de moins pour les deux autres. Donc, forcément, voilà. Donc, à vous, allez-y. Est-ce qu'on a une question dans le public? Okay. Alors, première question, vas-y, comment tu t'intitules? Alors, je m'intitule Max. Ouais. Voilà. Et je suis... Max la menace. un révolutionnaire. Donc, la question s'adresse très particulièrement aux trois blogueurs. Hein. Vous avez évoqué la télévision, d'accord? Et ensuite, plus largement, Internet, le web. Alors, la question, c'est une question en forme d'affirmation-question. On ne sait pas trop exactement comment ça se passe. J'ai remarqué une chose, c'est que la télévision, c'est en général un point central de diffusion vers une multitude de millions et de millions de récepteurs. Et Internet est une révolution pour moi dans le sens où ce point central d'émission explose en des millions et des millions de points d'émission. Donc la question, c'est comment vous le sentez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception des choses? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la souveraineté, et pas la souveraineté nationale, la souveraineté de l'individu, et ce qui se passe en ce moment dans Internet n'est pas le reflet de ce qui pourrait se passer prochainement dans toute la société? Voilà. Eh ben, je suis assez d'accord, et c'est en plus un petit bémol que j'aurais dû mettre à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui sera peut-être coupé au montage. monsieur. Non. C'est que, en effet, un des gros avantages qu'on a sur Internet, c'est justement un peu le fait qu'Internet appartienne un peu à tous et soit diffusable de partout. Et malheureusement, l'exploitation, sûrement par le biais de l'argent, tout ça, centralise quand même les choses, beaucoup par le biais de YouTube, par exemple, à la capitale, on va dire, sur Paris. Et ça, c'est, je trouve, un défaut, parce qu'au début, moi, quand les premières fois que j'ai rencontré d'autres YouTubeurs, ils venaient de partout. Et maintenant, ils sont tous à Paris, quasiment. À part ceux qui ont fait exprès, justement, de s'éloigner de Paris, mais ils sont passés par Paris avant ça. Et je trouve ça dommage, parce que, justement, cette centralisation que je trouve pas bonne, déjà, en politique, et qui se centralise encore plus sur le biais de l'Europe, est aussi un peu effectif dans ce qui est un petit peu l'Internet financier, on va dire. Et je trouve ça malheureusement dommage, alors qu'on peut parler à qui on veut, on peut rencontrer qui on veut, on peut se déplacer aussi, ça existe, on n'est pas obligé de le faire par caméra interposée. Et,
Et voilà, je pense que malheureusement, l'expérience passée influe un minimum sur ce qu'est l'Internet présent. C'est-à-dire qu'on fait un peu un copier-coller de la télé, involontairement peut-être. Et ça, c'est dommage. C'est pas l'aspiration profonde des Français de se réunir à un même lieu micro. Et derrière une même personne. Est-ce que c'est pas l'aspiration profonde des Français de se réunir derrière un même lieu et une même personne ? Sur un même lieu et derrière une même personne. Mais comme il était avec le général de Gaulle. Exact. Oui. Comme le roi. C'est, Oui, ça c'est autre chose. Non, mais général de Gaulle, il a recopié l'esprit royal. Il a vu que même en République, il y avait un besoin fondamental d'un chef se pensant comme un chef de tribu augmenté, c'est-à-dire national, donc royal, le roi. Et je pense que... Vous êtes royaliste, vous ? Moi, je suis royaliste, moi. D'accord. Et je pense que... Oh, le facho ! Je pense que Daniel n'avait pas l'idée d'avoir un royaliste sur la même enquête que lui. Je trouve ça très drôle. Mais concrètement, ça fait des années qu'on est, ça fait 200 ans je crois qu'on est en République, et il n'empêche qu'il y a eu une aspiration régulière pour l'autorité du chef, et on n'est pas dans Étienne Chouard. On n'est pas dans la on n'a pas pris possession du territoire. Il n'y a pas de décentralisation et d'envie de travailler individu par individu. Donc j'ai l'impression que sur YouTube, c'est que la résurgence d'une inspiration française, en fait. Ouais, mais qui peut être quand même ridicule. Pourquoi ridicule ? Bah, je sais pas. Enfin, à mon avis, en pourcentage, il y a plus de gens malheureux à Paris que dans la France entière. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est voilà. Évident. Par une concentration. Oui, mais est-ce que la concentration est positive ? Enfin, Internet a permis de pouvoir travailler d'où on voulait, et les gens sont quand même allés se regrouper. Ça c'est chaud. Et malheureusement, ça nuit à ceux qui étaient peut-être déjà parisiens ou qui étaient peut-être déjà là. Je ne sais pas. Et ça leur nuit parce que la concentration nuit à une partie de la personne. Il y a sûrement, à mon avis, il y a plus de gens malheureux. Il vaut mieux avoir moins d'argent à la campagne, je pense, ou tout du moins dans une moins grande ville qu'à Paris. Mais sur YouTube, il y a une réunification. Là, il parlait d'anarchie. Oui, en mais gros, alors, tu n'as peut-être pas encore vécu ça, mais si tu fais des soirées YouTube avec d'autres YouTubeurs, tu as une jet, je sais pas si ça se dit, jet-setisation, une ouais, peopleisation parisienne, et qui est un peu ridicule. Enfin, honnêtement, à mon sens, qui est pas bonne. Les gens se regardent. Moi, j'ai province Paris. Bah, à fond, voilà. Ouais, ça fait 13 siècles. Il y a une peopleisation du web pour toi. Ouais. Bah, du web, je sais pas. Médias sur le web, oui. Ouais. Et bien que pas un peu moins encore peut-être que du YouTube web. Les dramas, ouais. Les dramas, ce genre de truc là. Les dramas, je sais pas, mais. Si, ça doit faire partie. Mais moi, ce que je me rends compte en ce moment, c'est que ce qui est arrivé à la télé, ce qui est nué à la télé que vous n'avez pas connu, c'est l'arrivée de la télé-réalité. C'est que certaines personnes se sont dit, on peut faire de l'argent en préparant quasiment rien et en scénarisant pas, en faisant pas grand-chose et en profitant des acteurs. Il va falloir qu'on se renseigne là-dessus. Ouais, je pense. Et c'est ce qui arrive en ce moment sur YouTube. On a eu plein de vagues sur YouTube. On a eu au début la vague humoristique. Après, il y a eu la vague... culturel, oui, de critique, de vulgarisation. On a eu ensuite des top 10, des trucs comme ça, qui étaient de la peut-être vulgarisation un peu plus facile, on va dire, et de la reprise de journaux ou de topito, des trucs comme ça. Et après, on a eu d'autres vagues qui étaient de l'ordre de la télé-réalité, c'est-à-dire vlog. On est dedans. C'est-à-dire le gaming aussi, c'est du vlog amélioré. Ceux qui jouent à des jeux vidéo, c'est du vlog amélioré. On va dire qu'on suit quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Les gens les regardent. Les gens regardent jouer des gens aux jeux vidéo pendant qu'ils jouent aux jeux vidéo, en gros. Il a qu'une manette, mais. Oui, voilà. Tu vois, quand ton pote, il te donne pas la manette. Ouais. Et ben maintenant, tu peux regarder ton pote jouer aux jeux vidéo et toi, tu joues. Donc, t'as ta propre manette et lui, il a la sienne. Ouais, mais le vrai. Ça donne le vertige, en tout cas. Le vrai souci, c'est que. Je sais même pas si c'est un souci, en fait, mais. Je sais plus ce que je voulais dire. Regarde. Non, parce que le vlog, moi je te dis, je défends le vlog vu que j'en fais. C'est un besoin. C'est pareil, ça revient au même. C'est un besoin fondamental. Les gens, on leur a enlevé leur structure, leurs parents, leurs repères en permanence, et ce qu'ils trouvent dans YouTube avec la peopleisation, c'est des repères. Et l'anarchie, ce dont ils parlaient,
C'est un peu comme si tu allais chercher tes repères voilà. Sur la télé-réalité. Il y a une explosion anarchique. Ah, mais on peut taper quelqu'un d'autre comme ça. Il y a une explosion anarchique des boutiques. Il y a de multiples repères. Il y a plein de gens qui vivent et qui sont en soi des modèles potentiels. C'est une anarchie plus un, une anarchie globale, une anarchie possible. Avec des petits repères. Moi, par exemple, j'ai pas de père, tu vois. Et je regarde sur YouTube des petits modèles. Voilà, et je me fais ma critique en disant bah, je veux ressembler un peu à ce mec-là, un peu à ce mec-là, un peu à ce mec-là. Oui, mais ça paraît sain venant de quelqu'un. C'est mieux que la télé-réalité. 28. Non, 28. C'est mieux que la télé-réalité. Ça paraît peut-être sain pour quelqu'un qui a 28, mais pour quelqu'un qui a peut-être 15 ans et qui choisit pas ce qu'il regarde ou qui tombe sur des premiers repères. Arrête. À l'époque de la télé-réalité, on nous mettait des Nabila et je sais pas quoi. Mais et maintenant ils peuvent trouver. Quelqu'un qui habite à Paris, quelqu'un qui habite en province, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est bête, etc. Ils ont une multiplicité des choix. Il y a un avantage quand même, c'est qu'on nous forçait à regarder avec la télé-réalité gens qui n'étaient pas regardables. Oui, c'était quoi Nabila ? C'est une meuf avec des gros seins qui passe à la télé. D'accord. Qui est belle, en gros. Et donc on filmait cette femme ? Parce qu'elle est jolie et un peu bête. Et elle faisait quoi ? Ça, c'est... Elle disait des bêtises, elle montrait ça. Canal Plus, ils ont fait pareil. Hein. D'accord. Vous me voyez navré pour vous, mon cher Daniel. Comment ça s'appelait les pin-up? Les pin-up, c'est Canal+. Excusez-moi, les pin-up, ça date de bien avant Canal+. On va enchaîner les questions, s'il vous plaît. On va aller faire plus rapide après, parce que comme voilà. Ça, on prend 10 minutes pour le quiz. On est... Voilà, nous devons avancer, s'il vous plaît. Bon, alors je vais essayer de faire court. Salut. Alors, c'est surtout la réponse. Comment tu t'appelles? Anissé. Comment? Anissé. Ouais. Comme le Ricard. Bon, rien à voir. Donc, en fait, ma question, c'est de plus en plus, il y a un effet entonnoir sur Internet. Parce que maintenant, quand on parle d'Internet, les gens pensent YouTube, Facebook, Twitter, et très peu de trucs, en fait. Et cet effet entonnoir, on le retrouve aussi sur YouTube. Alors, d'un côté, est-ce que ce n'est pas la responsabilité des YouTubeurs de vouloir toujours créer du contenu putaclic pour être vu, pour avoir plus de sous? Donc, c'est-à-dire, l'importance, c'est d'être vu soi-même plutôt que la création de ce qu'on fait. Et est-ce qu'on ne peut pas y remédier avec les plus gros youtubeurs, à migrer sur une autre plateforme, voire créer une plateforme où il n'y a pas d'argent, peut-être un fonds de pub qui rémunère tout le monde et des comptes Tipeee, et où c'est le public qui va donner plus que la pub et les annonceurs. Donc voilà, c'était ça ma question. S'il n'y avait pas moyen de faire changer les choses, et le fait d'être sur YouTube, c'est accepter ça en fait. C'est ce que tu viens de me dire, c'est la mentalité exacte de ce que nous propose la démocratie. Tu dis effet entonnoir, déjà premier point, l'effet entonnoir il est inversé. Actuellement il y a toute une strate de YouTube qu'on appelle nous, avec Ernesto et tout le bordel, les gens qui travaillent avec moi, qu'on appelle l'underground. Et en fait, vous venez de Cyprien parce que vous êtes attiré par la lumière. Sinon, sans Cyprien, personne ne va sur YouTube. C'est simple. Si vous rigolez pas, vous n'êtes pas sur YouTube. Vous venez de Cyprien, vous vous intéressez de plus en plus à des critiques, des machins, des trucs plus spécifiques. Et quand vous êtes lassé des produits de masse, vous tombez généralement dans nos chaînes qui sont des chaînes underground, des chaînes plus spécifiques, des chaînes plus intelligentes, plus proches de vous. Donc l'effet entonnoir, il est exactement à l'inverse de ce que vous croyez. Il n'est pas genre vous êtes attiré par la masse et vous allez de plus en plus profond dans la misère. C'est le contraire. Ouais, non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi, à la base, je regardais plus que Dailymotion et j'ai fini par venir sur YouTube parce que le contenu. Et c'est là. Et c'est là que je veux en venir. C'est que, en fait, c'est exactement comme en politique, on nous dit Mélenchon, je suis désolé, Mélenchon, l'extrême gauche, comme toi. Il nous dit il faut changer le système si on veut réussir quelque Marchais. Chose. L'équivalent de Georges Marchais. J'avais compris, merci. Les communistes et tout ça. Ils nous disent qu'il faut changer le système. Robert Hue. Pour repartir de zéro, pour bien travailler. Non, bien travailler, c'est chaque individu qui décide de bien travailler. Voilà. Il n'y a pas à changer les systèmes. On a des outils en main, on travaille correctement avec les outils et c'est ça qui fait changer les choses. Il n'y a pas besoin d'aller migrer sur des plateformes YouTube, Dailymotion, Pornhub. On a YouTube, c'est un centre qui permet de réunir les gens. Tu vois, déjà, quand je vois ma mère qui regarde YouTube, ça y est, c'est bon. Donc maintenant, même ma mère, elle regarde YouTube. Donc maintenant, il faut l'emmener vers des choses intelligentes. Il n'y a pas besoin d'aller migrer. Pourquoi si on elle migre... regarde Cyprien? Oui. Et des trucs de complot. En gros, sur les Illuminati. Mais en vérité, c'est ce problème-là, plus on va se poser la question de « Oui, mais les plateformes, ils nous manipulent, etc. » Plus on va faire des migrations permanentes et on va perdre du temps. Et en fait, on va perdre les spectateurs au milieu de nulle part. Tu vois. Si on est centré, il y a moyen de bosser. Voilà, pour moi, c'est ça. On a réussi à capter le public. On les a retirés de la télé, on les a captés sur YouTube. C'est déjà pas mal. Faut qu'on utilise cette Donc, force-là. Bonsoir, les amis. Je m'appelle Johan. Ma question, elle est toute bête. C'est dire, aujourd'hui, socialement parlant, il y a de plus en plus d'hyper-communautarisme, c'est-à-dire le fait d'être extrême
dans une tranche bien particulière. Chris pourra parler des féministes qui lui ont sauté la gorge, entre autres. Et l'idée de dire, c'est, avec l'évolution sociale qu'il y a autour de ça, est-ce qu'on ne va pas arriver à une vraie remise en question sur YouTube où n'importe qui peut s'exprimer, n'importe qui peut dire les moindres choses? Et quand on voit le soutien, par exemple, de certaines personnes qui sont très stigmatisantes, est-ce qu'on se dit qu'il ne risque pas d'y avoir un vrai déclin social par rapport à ça, par rapport à l'expression, par rapport à la remise en question? Un déclin de l'hypercommunautarisme, c'est-à-dire justement parce que les extrêmes peuvent parler ouvertement, est-ce que les gens vont s'y conformer ou est-ce que les gens au contraire vont essayer de faire si les extrêmes, le catch? Si les gens se conforment aux extrêmes, c'est qu'ils y retrouvent quelque chose. Si les gens, je sais pas, vous voulez la démocratie ou pas? Je suis le seul royaliste ici sûrement dans la salle, non, mais... et je suis le seul à être presque pour la démocratie. Que les extrêmes s'expriment et que les gens se reconnaissent dedans, c'est théorique, théoriquement la démocratie. Oui, mais ce qui serait intéressant, c'est le contre-pied de ça, c'est-à-dire pour, le contre-pied après... des extrêmes. Non, mais par exemple l'extrême de l'extrême. C'est-à-dire que l'extrême puisse se communiquer pour que justement on puisse trouver dans l'extrême peut-être un fond de vérité et réussir à enlever le reste. Mais, mais pourquoi etc. tu déjà quand tu dis, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Quand tu dis il faudrait la parole sur YouTube, Internet, c'est bon, c'est libre. La parole vit d'elle-même. Moi, en tant qu'individu, je n'ai pas attendu personne pour me dire qu'il fallait que je dise quoi que ce soit. Je parle et les mecs, s'ils ont envie de m'écouter, ils m'écoutent. Quand je vois des commentaires, encore une vidéo inutile, je supprime. Encore un commentaire inutile. Quelle est l'utilité? En effet, exprime-toi, tu as le public qui veut t'écouter. Voilà, c'est ça la démocratie. Tu parles, tu es écouté par le nombre adapté de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. Et pareil pour les extrêmes, ou les extrêmes gauche, extrêmes droite, les centres, hein, parce qu'on ne parle jamais des centres, on dit tout le temps les extrêmes, mais les pauvres PS, hein, le Parti Socialiste, c'est triste de les voir patauger dans la merde, avec obligés de payer un public pour faire semblant d'être d'accord. Juste pour souligner, et après je donnerai le micro, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les règlements de YouTube font que, de toute façon, ce qui va être mis en avant, c'est ce qui est politiquement correct. C'est-à-dire, justement, ce qui va être la critique des extrêmes, etc., du moment qu'elle n'est pas suivie, il va y avoir une forme de censure indirecte. Ce qui est mis en avant, c'est les trucs qui font du chiffre. Mais ça, ça a toujours été. Je veux dire, les agora grecs, là. C'est celui qui sait parler, qui a étudié le langage, qui peut convaincre les gens et être écouté. Mais je veux dire, c'est pareil en séduction. C'est pareil partout. Mais non, mais c'est le sophisme gauchiste. C'est fou. C'est pas le sophisme. C'est la capacité. Je veux dire, il y a un moment, le gosse, quand il te parle, tu lui dis, parle moins fort. Parle mieux. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est un apprentissage. On en est tous là. On apprend à communiquer. Pour communiquer le plus profondément ce qu'on ressent, ce qu'on pense bon. Non, c'est ça qui est mis en avant. Les gens qui parlent le mieux. Ceux qui savent se référencer, les meilleurs en fait. Et tout le monde, excusez-moi, la démocratie actuellement favorise la loi du plus fort. On est dans la loi du plus fort, ce sont les plus forts qui sont écoutés. Voilà, donc soyez forts. C'est pas une fatalité. C'est logique. Je te remercie. C'est logique. Il me semble, hein, c'est encore. Une méritocratie. J'ai l'impression, non, t'es pas d'accord, Chris? Je pense qu'il y a d'autres critères, mais c'est vrai que le critère majoritaire, on va dire, c'est que celui le plus écouté est celui qui mérite le plus d'être écouté. Et même si on n'en a pas l'impression. Mais c'est juste que de toute façon, ce qui joue aussi beaucoup, c'est que celui qui est le plus écouté est celui qui arrive à se faire le plus écouté. Voilà. C'est celui qui arrive à le plus à attirer l'attention. Et ça joue beaucoup. Sur YouTube, c'est sur Internet. Après, c'est vrai qu'il y a des. Google, vu que c'est un peu le majoritaire sur Internet, a sûrement des filouteries ou autres qui font que malheureusement, tout le monde n'est pas égalitaire. On va prendre une dernière question, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Alors, deux, mais très rapide. Voilà. Okay. Comme ça, on est bon. Alors, moi, ce sera pour qui veut répondre. La dernière fois, je suis tombé sur un YouTuber qui disait, qui répondait à ses viewers et qui disait « De toute façon, vous avez pas donné d'argent pour venir là. Je vous dois rien. Si vous n'êtes pas content, partez. » Et moi, la question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que vous pensez que YouTube, pour les viewers, c'est vraiment gratuit? C'est le temps de cerveau disponible qui est le nerf de la guerre partout, dans l'audiovisuel. Et sur YouTube aussi. Donc, c'est la monnaie. Nous, on est là. Moi, je suis là pour arracher ton temps de cerveau disponible à Kama. Mais sauf que derrière, Kama et moi, on monétise pas. Je crois que tu monétises pas tes vidéos encore. Mais attends, c'est dingue, t'es en train de dire que vous êtes en concurrence alors qu'il n'y a pas de grille horaire. Oui, mais je veux dire, le temps n'est pas extensible.
Alors pour la dernière question, d'ailleurs on parlait de politique et bah, des youtubeurs et du positionnement des gens. Merci. Et je voulais savoir bah, maintenant, quel est, vous, selon les trois invités, le politique que vous avez soutenu et qui vous a trahi selon vous? Et maintenant, quel est le politicien ou la forme de politique que maintenant vous vous positionnez ou que vous aimeriez avoir au pouvoir? Voilà. C'est simple, c'est royaliste, hein, donc j'aurais fait. Voilà, des trucs qui arrivent. La trahison, je l'ai pas vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on est une majorité de Français à vouloir du changement et qu'il n'y a pas de changement. Et que justement, ta question, elle est clivante parce qu'en gros, ça, c'était en train de dire, est-ce que tu as l'impression que la droite n'a pas eu assez la parole ou la gauche n'a pas eu, c'est l'inverse, la gauche n'a pas eu assez la parole? Et est-ce que ça, justement, il faudrait renverser la tendance ou aller dans un extrême pour voir et tout? Mais je crois que là, c'est un peu pour ça que, par exemple, Mélenchon monte surtout sur Internet. C'est parce que ce qu'il propose, c'est pas forcément de l'extrême gauche. C'est du changement plus que de l'extrême gauche. C'est pour ça que, par exemple, de l'autre côté, c'est pas forcément. C'est plutôt les opposants qui le disent. Mais de l'autre côté, à droite, c'est plutôt Asselineau. Il propose pareil, du changement. Et c'est pour ça que l'abstention aussi monte. Parce que l'abstention, c'est du changement. C'est du changement qui est difficile à palper. Mais voilà, c'est du changement radical, ouais. Mais c'est difficile à palper tout ça et à se dire. Mais à partir du moment où on se dira, moi je suis anti-système, ok, mais on est tous, on est là, regardez, le nombre qu'on est anti-système ici, si tout le monde lève la main, et quasiment tout le monde lève la main. Qui est anti-système? Voilà. Je rappelle que anti-système, ça veut dire contre le système actuel. Ça veut pas dire casser ou autre. Ah si, pour moi, ça veut dire ça. Non, anti-système, ça veut dire anti-système. C'est pas anarchique. Hein. Et puis en plus, je suis anarchiste, mais c'est pas anarchique. Ça veut dire contre le système actuel. On a donc un royaliste à ma gauche et un anarchiste à ma droite. Ouais. Je trouve ça fantastique. Quel beau plateau. Non, ce que je. Ouais, donc tu me laisses terminer et puis après tu m'insultes. Non. Bâtard de mort. Et donc je disais. Ouais. Bah allez, tiens, regarde, prends la suite, Déberto. J'ai jamais été trahi. On était sur Asselineau, c'est ça que tu as dit. Voilà. On te laisse le. Attends, je termine juste comme ça. Je disais que peu importe que si t'es pour Asselineau, qui est plutôt estampillé à droite, Mélenchon, qui est plutôt estampillé à gauche, hein, ça paraît évident, ou l'abstentionnisme, dans les trois cas, tu veux du changement en fait. Ce que tu veux, c'est du changement. Et je crois que c'est plus important que le fait d'essayer de te dire. Et en plus, quand tu recroises quelqu'un, tu lui dis. Tu ne lui dis pas, oh, t'es de gauche, toi ou autre. Tu ne vas pas forcément te foncer là-dessus. Tu vas lui dire, ça ne va pas. Et c'est ça le truc, c'est ça ne va pas. Mais sur Internet, surtout, je trouve, on a tendance à dire, ça ne va pas. Oui, pourquoi? Parce que t'es de gauche? Ouais, ou oui, pourquoi? Et voilà, direct, tu fais une division d'une majorité à la base. Et donc, comme tu as divisé la majorité, eh ben, elle est minoritaire. C'est maintenant le moment du quiz, du jeu de ce soir. Alors le quiz, il est très simple. Je lance le jingle quiz. Jingle quiz. Vous allez devoir reconnaître 10 youtubeurs à partir d'un gimmick, d'une phrase qui est clairement rattachée à eux et qui permet clairement de les identifier. Donc quand je pose la question, Pierre-Yves, bah, c'est toi qui vérifie qui répond le premier. Je suis là avec mes fiches. Et le gagnant aura le droit à ce magnifique cadeau. Est-ce que tu peux nous le montrer? Le président François Hollande, il y aura ce type de ses promesses. Bravo. Voilà, le livre François Hollande. Je pense qu'on n'aura absolument rien entendu et rien alors, vu. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce magnifique ouvrage? À mon avis, la réponse est... un colis de pâte, plutôt. Lui, président, un livre sur François Hollande pour que vous puissiez arrêter d'être royaliste et réactionnaire. Voilà, vous pourrez enfin gagner. Vous avez devant vous... Ah, attention. Vous avez devant vous un vrai socialiste, attention, pur jus. Voilà, alors attention. En avant, jouons un peu, sortons un peu de la politique et tout ça. C'est une question de rapidité, donc tu surveilles bien qui va être le premier à répondre. Donc 10 youtubeurs. Je surveille. Il faut les identifier. Attention, c'est parti. Numéro 1. Wesh wesh les amis. Osons causer.
Mais alors, non, toi, tu joues pas, en fait. Non, c'est eux qui jouent. Mais... T'as rien pigé, en fait. Mais... Voilà, donc t'as niqué un point, là. Voilà. Voilà, merci de fermer ta gueule. Alors, on l'a pas entendu. Je me permets de te parler comme ça, je te connais. Voilà. Pourtant, je ne suis jamais vulgaire. Merci, mais merci voilà. Beaucoup. Voilà, on continue donc, à enregistrer l'émission. Les amis, quelqu'un l'aurait eu ou pas? Tu l'aurais eu, donc on te donne le premier point. La démocratie. C'est la démocratie. Alors, attention, alors, c'est à toi pour la deuxième. Alors voilà, sauf une fois au chalet. C'est la phrase qu'on m'a dit de dire. Ouais, deux points, effectivement. C'était qui? C'était Antoine Daniel. Quoi? Antoine Daniel. Attention, numéro 3, on se concentre. Faut que je rafraîchisse la page Google, là. Moi, je c'est trop tard, maintenant. Antoine Daniel, c'est un peu de silence, s'il vous plaît, merci beaucoup. Expliquez-moi cette merde. Oh, putain. Ah, c'est... Bravo, un point. Ne répondez pas dans le public, merci. Vous seriez adorable de vous taire. Donc, attention, la quatrième, donc tu as 2-1-0. Je crois que... 0. Ah, oui. Alors attention, c'est parti à toi. Vous comptez. Oui, je compte. Donc, faux. Cyprien. Chris, 2, partout. Attention, là, t'es au RSA, là. Elle est très, très bonne, celle-là. Alors, attention, la prochaine. Alors, j'ai un peu travaillé parce que j'ai vu ce monsieur, je sais pas qui c'est, mais il parle d'une façon un peu particulière. Donc, attention, c'est parti. En plus, il est... Alors, ça, faut le savoir. Tout est vérifiable, tout est sûr. C'est Soral. Je l'ai dit. Vas-y, il le donne le point. Je donne. Moi, j'avais failli dire Ganesh. Ah, ouais. Ça peut l'être. Alors, je ne sais pas à qui va le point. Allez, 3, 2, 0. Attention. À toi, celle-là. Alors, pardon. Non, je ne peux pas dire ça. C'est script. Une fois de plus, c'est vulgaire, mais bon. Je suis désolé. Je ne le pense pas. Salut, bande de salauds. Antoine Daniel. Je n'avais pas terminé, excusez-moi. Donc vous m'obligez à répéter ce mot ordurier. Salut bande de salopes. Je vous aime putain. Je vous aime putain. C'est qui dit je vous aime putain déjà? Non mais vous l'avez sûrement. Vous êtes. Je rencontre quelqu'un là-bas. Ah, on a quelqu'un là-bas. Jérôme Niel. Exactement. Ah, oh putain, bravo. Les tutos. Ah, bravo. Ah ouais, ça et date. Donc, le point par public, toujours 3, 2, 0. C'est le public qui va gagner le livre. On va se le partager. Attention. Ouais, c'est ça. On va arracher. Hein. Numéro 6. Du silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne semaine de merde, les copains. Bonjour, TSS. Bravo. Fils de... Bien joué. Bien joué. Et une fois que je suis rapide. Ce que tu disais, je ne les connais pas. Attention. Ce qui nous fait combien? Ce qui nous fait 4 points pour Chris, 2 points pour Kama et toujours 0 pour RSA Teddy. Pour Teddy. Oui. Alors attention, c'est parti, 7ème. Je hurle. J'irai ça. Ah, bravo. Oh putain. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Donc 4-3. C'est de la culture. Hein. Ah ouais. Attention, tu peux être content. Il hein. Faut le savoir. Numéro 9, Soral. Tu fais tes points sur la merde. Damn! De Thibaut Inchep. 4-4. Ouh putain, ça va jouer sur la dernière. Toi, je pense que c'est foutu. Là. Moi, tu te prends du boost, t'es là. RSA. Attention, elle va être. C'est la dernière, ça va être de la rapidité. Une dure. Ah non, c'est une simple. Je crois qu'il y a une encore. Simple. Enfin, une faute de frappe. Hein. Parce que c'est pas possible de mettre ces deux choses à la fois, ça n'aime à rien. Voilà. T'en as trop pris gros. Non. Ah, c'est Mathieu Sommet, SSG. Et voilà, et oui. Chris, tu as gagné ce magnifique livre. Bravo. C'est facile. C'est facile parce que je suis sorti avec Mathieu Sommet. Et on a quand même un cadeau de consolation pour Kama, je te donne. Ce magnifique pins, touche pas à mon pote. Oh. Bravo. Que tu vas pouvoir porter fièrement. En échange. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Merde. Ah, bah c'est le progrès. Je l'aurais bien épinglé sur la d'accord. Tête de François Hollande. Pourquoi pas. Bon alors,
Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah bien, bien. Hein. Alors j'avais une dernière question à te poser. C'est un peu l'instant confession. Il y a personne. Je veux savoir dans. Oh bah ouais, on est entre nous, donc comme ça c'est cool. C'est bon que personne nous écoute. Sur toute la quantité de conneries que t'as balancé sur internet, est-ce qu'il y a une vidéo que tu regrettes d'avoir faite? Et je me suis beaucoup posé la question, tu vois. Mais ça fait longtemps que je me la pose plus. C'est qu'en fait, non, je crois que je regrette aucune vidéo. Je regrette un petit peu le contexte dans lequel je l'ai amené. C'est-à-dire plutôt les vidéos qui entouraient cette vidéo. Par exemple, il y en a où j'ai eu des clashs. J'en sais rien, par exemple, quand. Ah, mais on est vraiment bien ici. Hein. Ouais, ouais. Par exemple, quand j'ai parlé des féministes, quand j'ai parlé de la grève. La grève, t'avais pris cher un peu quand même. Non, pas au début, j'ai pris un peu après, mais j'ai pas trop pris non plus. Et puis, comme j'avais répondu, ils avaient pris aussi. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas assez défini mon format parce que c'était Internet, parce que j'avais pas besoin de le définir, parce que je m'en battais les couilles, je pouvais faire un truc second degré, après un truc premier degré, je pouvais partir dans un truc complètement débile et après être un peu sérieux. Mais tout le temps en déconnant. Et moi, je m'étais pas dit, ouais, faut tout le temps que je sois dans le même ton. Et c'est le problème, c'est ça, c'est que le contexte a amené des mauvaises pas forcément des mauvaises compréhensions, parce qu'il y a plusieurs lectures à chaque fois, mais des moments où les gens n'étaient pas d'accord, alors qu'ils ont le droit, mais n'étaient pas d'accord au point de m'insulter, tout ça. Mais c'est même pas celles-là qui m'ont gêné le plus, en fait. C'est plutôt je dirais presque que les épisodes transparents sont plus gênants que les épisodes... Épisodes transparents, c'est-à-dire ? Un épisode que tu lances au mois d'août alors que personne ne regarde. Non, j'en sais rien. Non, là, comme ça, j'ai pas d'idée. Mais j'ai des vidéos qui, à mon sens, avaient un sens caché que personne n'a vu. Laquelle ? Féministe, grève, peine de mort. Non. Là, il y avait un premier, un second degré. Je faisais le mec un peu l'enculé et tout. Ça m'a. Tu vois, c'était obligé que des gens le prennent au premier degré et d'autres au second. C'était obligé que des gens s'énervent et d'autres rigolent. Donc, ça, j'étais plutôt d'accord. J'étais préparé, on va dire. Mais il y a plus des vidéos où. Alors là, comme ça, c'est vrai que laquelle. Le problème, c'est que j'en ai bu pas mal, donc je vais avoir du mal. Mais des vidéos où il y avait un sens caché et je pensais que les gens allaient le découvrir. Ouais. Ou des vidéos où j'étais préparé à ce que le public le soit préparé. Par exemple, la zoophilie, j'ai fait une vidéo où, en gros, j'ai dit que... toute la première partie de la vidéo, je dis « Ouais, la zoophilie, faut l'accepter comme tout le reste, tu vois. » Parce que c'est l'ouverture d'esprit. Et à la fin, je balance trois phrases pour dire que l'ouverture d'esprit ne se justifie pas elle-même, enfin tout ça. En gros, pour dire, en fait, réfléchis avant à ce que tu as vu et pose-toi devant un problème avant de dire, ouais, il faut que je m'ouvre à lui. Et le truc, c'est que la plupart du public n'a pas vu ça. A cru que, il a raison, la zoophilie. Ah ouais. Viens, t'as donné un message que tu n'avais pas envie de donner, quoi. Ouais, mais après, en plus, ça fait partie de mon... pas de mon personnage, mais puis que je m'en bats un peu, c'est que je suis pas allé dire aller à l'encontre de ça. Ouais. Donc, des fois, je reçois des gens, ouais, mais t'es zoophile. Alors qu'en gros, il n'y a pas de message dans la vidéo. Le message, c'est que sous couvert d'ouverture d'esprit, tu peux tout accepter. Mais la question, c'est est-ce que tu réfléchis bien à ce à quoi t'es. Enfin, il faut réfléchir à chaque fois à quoi t'acceptes. Que t'acceptes, ouais. Ok. Donc c'était plus par rapport à là. C'est plus une question de contexte dans laquelle tu mets la vidéo. Ouais. Et je crois qu'on n'est pas les seuls, hein, Kama, déconne plus que ce qu'on peut avoir au premier regard, en fait. Et t'as ça, s'il n'y a pas écrit parodie, pour certaines personnes, ils vont pas voir que c'est pas une parodie. Ouais. Ils vont se dire, oh putain, merde, oh le con. Et il y en a, ouais, t'as bien raison. L'amicale des zoophiles, ouais. De Tourcoing, qui voilà. Soutient. Ah, mais j'ai eu des soutiens de zoophiles. Ah ouais, j'ai eu des insultes de zoophiles aussi. J'ai eu énormément de zoophiles. Des insultes de zoophiles. Et tu sais qu'ils sont, quand même assez nombreux. Ah ouais. Et ils revendiquent le truc et tout. Oui, avec plusieurs... on part dans un truc, on finit bien la vidéo. Mais moi, que on part dans un truc... Non, justement, il y a ceux qui caressent juste les animaux. Ouais. Et voilà. Et donc, il y a plusieurs niveaux de zoophilie qui excusent les plus graves. Enfin, c'est assez compliqué. Ouais, c'est le genre de débat, t'avais pas vraiment envie d'entrer dedans, quoi. Et puis, tu vois, là, par exemple, j'avais pas envie de finir là-dessus. Ouais. Allez, bah alors, sur quoi tu veux finir? Eh ben, là-dessus. Bah voilà, parfait. Merci d'être venu. Ah bah merci à toi. Puis à la prochaine. Ouais, avec plaisir.
Vive les années 80. Allez. Alors si on a une petite tradition de fin, t'as un petit, on finit toujours sur un petit jingle. Alors bon, tout à l'heure on en a mis télé d'avant si t'aimes pas te mets pas devant, ou télé d'avant c'était mieux avant, ou télé d'avant c'est maintenant. T'as un truc qui te vient en tête? Donc faut que ça rime, hein. C'est ça, c'est ça. Oh, l'idée. Ou pas. Ah, ou pas. Télé d'avant, prends-toi ça dans les dents. Moi ça me va. Ouais. Ou télé d'avant, salut, ça va et toi? Non, ça rime pas, c'était pour non, une c'est, qui rime ouais, pas. C'est, ouais, c'est voilà, c'était pour celle qui rime pas. Comme ça on en a deux, on gardera celle qu'on veut. Ou les deux, on verra. Monsieur. À la prochaine. Les cheveux longs vont bien. Ouais. La casquette au lieu du bonnet. C'est donc ça. Ça fait un peu star de partir avant la fin. Par contre, ça fait pas de star de partir avec un sac à dos. C'est un petit côté. Ouais. Ouais. Bah oui, j'ai mon duvet hein, si je dors dehors. Bah non, c'est sur pas YouTube, on gagne pas trop. Hein. Arrête tes conneries. Santé. Mais pas les pieds. Tu sais. Alors, monsieur RSA, enfin, je me permets de te tutoyer, de t'appeler Teddy Boy, parce qu'on se connaît finalement un petit peu grâce à cette émission. Ça s'est passé comment pour toi? Là, cette émission-là, ouais. Franchement, c'était bien. Après, je regrette que Kama ait pas pris plus la parole. J'aurais adoré l'entendre, surtout que le point de vue d'un mec de 24 ans, moi, ça m'intéresse énormément, parce que je suis sûr qu'à 4 ans près, on n'a plus les mêmes points de vue. Possible. Surtout à cause d'Internet, ça bouge très très vite. Donc j'aurais adoré. Bon, on l'entendra quand même dans l'émission, on est crainte. Bon, en tout cas, pour toi, c'est quelque chose de positif, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça, moi, je pense que vous une avez expérience fait, positive. Vous avez fait très fort en venant à notre époque et en nous offrant votre point de vue de vieux. On ne l'a pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais on ne l'a pas choisi. C'est arrivé comme ça. On ne sait pas pour combien de temps on est là, combien de temps ça va durer. J'espère qu'on va pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Bah, nous aussi, parce que petit à petit, on se sent pas trop mal dans votre époque. Hein, on est bien là. Ouais, hein. On se met bien. L'écart et tout. Il y a toujours des bonnes bases. Une dernière petite question, Teddy Boy. Y a-t-il une vidéo que tu regrettes d'avoir faite? L'avant-dernière. Ah. En fait, j'ai fait une table ronde la dernière, et l'avant-dernière, j'ai fait... une vidéo où j'attaquais contre-culture, égalité et réconciliation, qui est un mouvement politique, un pseudo-mouvement politique, une espèce d'association d'extrême droite. Ah bon. Enfin, qui se dit pas d'extrême droite, machin. Et en fait, j'ai attaqué un livre d'Adrien Sajou qui parlait des jeux vidéo, s'appelait Sociologie du gamer. Et j'ai fait pour la première fois de ma chaîne les ondes négatives. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai craché, moi, ma rancœur. Voilà. J'ai réagi à chaud. Et c'était un souhait de ma part, mais quand j'ai vu que en fait, les gens qui me suivaient répétaient mot pour mot ce que j'avais dit dans la vidéo, alors qu'en fait c'était un truc qui était dit sur le coup, oui. Je me suis dit, je n'ai pas théorisé moi ce qu'eux sont en train de théoriser dans leur tête, et on peut voir que sur y a même des mecs qui font des vidéos en reproduisant à peu près ce que je raconte, alors que sur le moment c'était de l'émotion. D'accord, ils font du plagiat donc. Oui, sauf que moi, c'était pas une théorie, c'était une réaction. Une réaction à chaud. Tout à fait. Ouais. Et donc là, pour moi, c'est. Mais en même temps, c'est intéressant, hein. Mais c'est chaud. Pour moi, c'est chaud, ça amène à réfléchir énormément sur les médias. Si au moins ça te fait réfléchir sur les médias, sur toi, sur ta façon de communiquer, bah, c'est toujours positif. Il faut se méfier de l'aura qu'on a. De l'aura qu'on a, oui, tout à fait. En tout cas, merci d'être venu. C'était un plaisir. Et au plaisir d'une prochaine fois, qui sait, hein, dans ce temps ou dans un autre. Exact. On ne sait pas. Tu voulais me faire un jingle, ça? Un petit jingle, si tu as l'envie. Le nom de l'émission? Télé d'avant. Télé d'avant, ils vont travailler pendant longtemps, je vous l'assure. Bon alors, comment ça s'est passé? Très bien. Ouais. Je regrette d'avoir pas pu parler un peu plus, ouais. Parce que j'avais deux mastodons côte à côte, mais j'ai écouté, j'ai analysé, et globalement, les deux discours étaient super bons. Et... Il y aura un montage, de toute façon. Je oui. Te dis, on verra tout le monde, et c'est le but. Alors, je vais te poser la question rituelle, la même. Donc un peu sans langue de bois, vas-y. Il y a une vidéo que tu regrettes d'avoir fait? Comme je te l'ai dit, j'ai une chaîne de parodie. J'ai ouais. regretté d'avoir fait une vidéo pour expliquer le personnage. J'avais fait une vidéo comme ça que j'ai retirée parce qu'au final, je préfère que les gens réfléchissent par eux-mêmes et le voient par eux-mêmes, le comprennent par eux-mêmes. J'ai envie de pousser l'esprit critique. Alors il n'y avait pas de coucou les copains dans celle-là? Il n'y avait pas de coucou les copains. Ah merde. Non, dans toutes, il y a, sauf les premières... parce que j'avais pas encore la mimique, ouais. Mais ouais, je regrette ça, et puis ça s'est vite réparé, parce que la vidéo elle a tenu un jour, le temps d'avoir quelques retours. Et tu l'as viré du coup? Je l'ai mis en non répertorié. Ouais. Donc viré, non, je trouve que ça sert à rien, ça reste sur la chaîne, pas besoin d'être... On peut mettre en non répertorié sur Pornhub?
Sur Pornhub, j'ai pas vérifié, je crois pas. Tu vois les outils qu'on te propose. Il y en a des beaux. Ah ouais, c'est le principe. Ok. Donc c'est celle que tu regrettes. Ouais, d'avoir cassé le personnage. J'aurais préféré. Mais au final, il n'y a pas eu de dégâts. Ouais. Donc, on est qu'au début de la chaîne. Là, au moment où je te parle, on est à 6000. On verra la suite. Bah ouais. Puis je suis sûr que ça va monter. Inch'Allah. Merci d'être venu. Ouais, et à la prochaine. À la prochaine. Ah non, on s'en va pas par là parce qu'on a un petit rituel ici. Je reviens. On a un petit rituel, c'est le petit jingle. Alors ici, tout le monde fait des petits jingles. Ouais. Donc il y en a qui sont passés tout à l'heure dans l'émission. Télé d'avance, c'était mieux avant. Ou télé d'avance, c'est maintenant. Ou télé d'avance, si t'aimes pas, te mets pas devant. C'est pas obligé de rimer. C'est pas obligé. Mais lâche-toi à ce qui te vient par la tête. Ok. Télé d'avant, mais n'oubliez pas, coucou les copains. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life I just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I got to go. Gotta leave it all behind and face the truth. Galileo Figaro. Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from its monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Bismillah. No, we will not let you go. Bismillah. No, we will not let you go. We'll not let you go. We'll not let you go. Oh, no, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. For me. Stole me and spit in my eye. So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby,
just gonna get right out of me now. Anyone can see.